Bonsoir. Hello. Salut tout le monde. Oh putain, vous êtes nombreux d'un seul coup là. La notif serait-elle partie? Je ne sais pas. En tout cas, c'est impressionnant. Coucou tout le monde. Coucou, coucou, coucou. On se retrouve pour un nouveau soir de live sur Celestia. C'est incroyable. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que j'ai activé le micro? J'ai activé le micro. Bien, je suis en train de tout caler là comme ça. Bon. Bonsoir tout le monde! Putain, c'est le bordel ma base. Hein. Il va falloir qu'on range ici, c'est vraiment le bordel. Tranquillou du Celestia pour ce soir. J'ai passé mon après-midi à jouer avec Waza et Frégiel pour ceux qui étaient sur leur live. On a un petit peu fait les cons. J'ai pas filmé par contre, mais voilà, on s'est bien amusé. Et du coup, ça m'a un peu empêché de faire des constructions, de préparer des trucs et tout, mais ça rend bien, ça rend vraiment bien ce qu'on a fait hier. Mais on a plein de petits trucs à faire et tout aujourd'hui, donc vous inquiétez pas. Putain, il y a encore cette merde. Alors, Waza est venu me mettre des trucs ici là. Qu'est-ce que c'est que ça, Waza? Mais c'est moche. Putain, là où il s'enterrait là-dedans, je crois. J'ai coupé l'eau aussi qu'il y avait là, parce que ça faisait bizarre et puis je pouvais pas vraiment circuler, donc voilà. Donc j'ai coupé l'eau. Là, pareil, Waza qui m'a mis des panneaux. Ah, vous allez voir, j'ai eu masse de trucs. Regardez bien. Hop, on va mettre ça là. J'ai Sobralia qui m'a filé des cookies. Voilà, bon, c'est petite. Comment dirais-je? Petit clin d'œil. Parce qu'en gros, Sobralia, plus être une youtubeuse et une amie, est une personne qui, à chaque fois qu'elle vient me voir en convention, m'apporte des cookies. Donc voilà, donc écoutez, on a eu des cookies grâce à Sobralia. On dit pas non. On a toujours la selle de panique. D'ailleurs, je pense qu'on va certainement aller essayer de choper un cheval aujourd'hui. Ça pourrait être cool. Mais t'es Et pas on net, a non? Mais bien Orlox. sûr, je suis très net. Qui a filé des under chests à plein de monde. Alors comment est-ce qu'il a eu des under chests? Je soupçonne qu'il est. Parce qu'on ne peut pas encore trouver de. Merci Sorgina! Merci beaucoup pour le sub avec Twitch Prime, merci à toi. Je soupçonne que. Enfin, on ne peut pas avoir d'Enderman là comme ça. Mais du coup, il peut trouver des Ender Pearls dans le coffre de. Dans les coffres dans le Stronghold. Donc. Maybe, comme ça. Mais en tout cas, on a un Under Chest, du coup, grâce à Orlok, c'est cool. Et voilà. Donc c'est très très cool. Je pense qu'on va, donc comme je disais, faire plusieurs choses. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait hors caméra. J'ai fait une petite construction. Alors, elle est pas folle. Elle est pas folle du tout, la construction. Je préfère vous le dire. Hein, c'est pas de ce niveau-là, ou même là-bas. Mais j'ai fait un petit peu comme je pouvais. On va dire. Vous allez comprendre. J'ai fait un petit peu comme je pouvais. En vrai, ça passe. Hein, ça passe très bien, mais. Et voilà, je vais vous montrer. Je pense que vous reconnaissez où je vais. Voilà. Voilà cette petite maison. Cette petite maison qui est la maison où les zombies arrivent. Donc voilà, donc j'ai fait une maison comme je pouvais pour cacher le truc à l'intérieur. Donc voilà, c'est une fake maison, entre guillemets. Hein, on va être très honnête. Hein. Mais, écoute, ça fait le taf, on va dire. Voilà, j'ai essayé de respecter le pattern. C'est pas dégueu, mais c'est pas ouf non plus. Mais bon, au moins, les zombies sont là, tu vois, ils viennent là. Donc j'ai fait l'ascenseur à eau. Donc il faudrait que je. Est-ce que je peux vous montrer? Attendez, je sais même plus où est la. Est-ce que par là? Attendez. Ah merde. Ah merde, attendez. C'est bon, je peux descendre là? Ok, là je peux descendre. Donc en gros, voilà, ils tombent là. Ils vont là, et en gros, direct là, il y a un ascenseur à eau quasiment. Donc voilà, donc ils montent ensuite tout droit. Mais t'es pas net, Ce qui est non? plus simple, Bien disons-le. sûr, je suis très net. Hop, on va refermer là. Oh non, il m'en manque une. On va prendre là. Donc voilà, écoutez, c'est pas. J'ai essayé d'adapter ça comme je pouvais, mais bon, au moins ils arrivent là. Alors oui, il y a ça pour le moment, mais c'est un. C'est pas un sticky piston, c'est un piston. Hein. Donc en gros, ça pousse le bloc. Mais si j'enlève. Bah, ils sont quand même. Voilà, hop là. Je suis obligé de faire ça parce que pour l'instant, c'est pas un sticky. Mais bon, donc j'ai pas pu faire de système et tout. Mais bon, ça fonctionne. Donc, c'est parfait. C'est toi qui lançais les flèches à Waza et Frigiel tout à l'heure. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être que c'est moi. Je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas, je ne vous le dirai pas. Ous de Couette, j'adore ton pseudo, qui a sub avec Twitch Prime, merci beaucoup. Je rappelle encore une fois que si vous avez Twitch Prime, que si vous avez Amazon Prime, vous pouvez sub gratuitement. Dans 10 subs d'ailleurs, il y aura le sub gift. Je sais que vous adorez maintenant. Vous spammez, je pourrais offrir un sub à quelqu'un. Alors, comme je vous disais, j'ai pas forcément fait de construction en hors cam. Je vais vous montrer un truc quand même.
Enfin, sur mon monde solo, j'ai essayé de faire une tour. Vous savez, le fameux design de la tour dont je vous parlais hier. Mais j'aime pas trop le rendu, en vrai. Donc je vais pas la construire. Je suis pas méga fan du rendu. Ouais, là je faisais des tests. Donc déjà au début j'ai essayé ça. J'étais pas. Bon, voilà, ça c'est la maison d'hier. Hein. Ça j'étais pas fan du tout. Et au final j'ai fait ça. Je sais pas ce que vous en pensez, honnêtement. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que dans notre biome ça peut bien rendre? Je sais vraiment pas quoi en penser de ce truc. Je trouve ça un peu. Enfin là que je le revois, je me dis ah finalement ça va. Mais bon, ça fait un peu peut-être prison au milieu. Je sais pas. Voilà, j'ai fait ce test là hier. Donc voilà. Plus haut. Certains disent plus haut. Pensez encore plus haut. Le problème, c'est qu'après, plus haut, j'ai des problèmes ici. Ah, vous C'était êtes. pas net, non? Mais si, Oh, je suis pas très mal, bien. c'est beau. Ouais, y a une. Y a une majorité de. Elle rendrait peut-être mieux en jaune. Oui, la couleur, c'est secondaire, mais. Il y a une majorité de gens qui aiment bien quand même. Bon, on la fera peut-être. On la fera peut-être. On la fera peut-être. Merci, Dude! Qui sub également, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Plus large. Ouais, je sais pas. Putain, mais mon dieu, mec. Mais Waza, il m'a mis des dalles absolument partout, j'avais pas vu. Attends, il m'en a pas remis autour, là, quand même. Alors, je sais pas où on pourrait la faire. Peut-être, effectivement, là. En vrai, on pourrait la faire là, ça pourrait rendre bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, allez, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir qu'on va partir là-dessus. J'aimerais bien, comme je vous disais aussi, trouver un cheval. Et j'aimerais bien qu'on démarre les achievements. D'ailleurs, si vous regardez, je me suis mis le jeu en français. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple. Pour voilà, pour connaître le truc le nom des achievements. Donc on commence à. J'avais pas fait gaffe, mais j'ai déjà vu 28 biomes. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bref, voilà, donc on va voir. Je vais casser ça déjà, parce que dans tous les cas, il y aura un truc sur cette colline. Donc en prévision éventuelle. Comme ça, on laisse les feuilles se désagréger. Mais peut-être qu'on le construira tout à l'heure et qu'on y fera des petites modifs. Parce qu'au final, là, à la revoir, finalement, je me dis ça va. Elle est pas si mal. Donc on verra. Hop. Pas plus haut, enlève un étage. Ah non, non, je pense que pour le coup là c'était le minimum en termes de hauteur. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Je vais casser tout ça. Tranquillou. Hop. J'aimerais bien, comme je vous disais, trouver un cheval. Je pense qu'on va peut-être commencer par ça. Faire un peu 2-3 achievements aussi, mais j'aimerais bien qu'on commence par ça. J'aimerais trouver un Epona. Enfin, une Epona. C'est bon, j'ai tout cassé là? Non, là-bas. En vrai, il y a des plaines pas très loin. Il y a des plaines au spawn. Donc, il y a moyen qu'on trouve un cheval. Et qu'on le ramène ici, ça pourrait être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au moins. Et comme ça, on pourrait faire une petite écurie style chinoise aussi dans un coin. Je me dis même, alors là, c'est idée perso, hein, mais par rapport au style des maisons qu'il y a ici. D'accord? Vous vous rappelez qu'au début, il est censé y avoir une planque ici. Et j'avais dit au début, ouais, on fera une maison. Mais en vrai, par rapport au style des maisons, ça ferait bizarre qu'on ait une maison juste là, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça ferait bizarre. En revanche, on peut imaginer, du coup. Sur toute la largeur là, des écuries. Pourquoi pas? Et il faudrait passer par l'écurie pour aller à l'intérieur. Surtout que l'entrée serait pas forcément là, elle serait peut-être plus là ou quoi. Et du coup, on pourrait se dire, faudrait passer par l'écurie. Et comme ça, on pourrait faire des petites écuries japonaises. Donc voilà, chinoises, japonaises. Bref, vous avez compris. Donc, ah, Nether, oui, il a dit qu'il allait Nether. Donc, on va essayer. Ok. On va essayer de trouver un cheval. Donc, on va prendre. Merci. Est-ce que je peux. On va tout de suite. Epona. Voilà. Et je vais prendre également. Généralement. Un. J'ai pas des trucs à chevaux. Merde, j'ai plus d'armure de cheval. Ah, je les ai peut-être mises au spawn. Mais t'es pas net, Bon, non? on s'en fout pour Mais l'instant. si, je suis très On s'en bien. fout pour l'instant. On va partir se balader parce que j'ai pas envie de passer par le Nether. On va se balader, il y a des plaines pas loin. Merci Exalx qui sub avec Twitch Prime également. Merci, putain, vous avez été trois subs avec Twitch Prime. La vie. On est d'accord que les chevaux, c'est forcément plaine. Notre bonne vieille Epona, c'est ça. Chevaux, c'est forcément plaine, hein, on est d'accord. Ah, en vrai, attends, on va plutôt partir du spawn, il y a une plaine au spawn. On va quand même passer par le Nether, on va partir du spawn. Ce sera plus simple. Hello Waza. Que fais-tu là, mon cher Waza? Bienvenue, mon cher Waza. Bienvenue à toi. Nous espérons. Tu passeras un agréable moment dans mon biome, pas comme la dernière fois. C'est un passage secret dans la maison, vers la ferme à XP. Bah, pff. Problème de la ferme à XP, c'est que. Il faudrait que je prévienne, trop tard. Attendez, il y a un Nether. Ah bah, j'ai déjà fait la guêche, je crois. Le problème de la ferme à XP, c'est qu'elle remonte. Alors, à la limite, oui, tu veux dire arriver au niveau du spawner. Faudrait qu'on passe.
Je sais pas par où il faudrait. Waouh! Ah ouais, d'accord. Ok. Très bien. Alors en ce moment, on est nombreux à jouer le soir. Et du coup, en fait, du coup, ça fait pas mal lag. C'est pour ça que je préférais éviter de baisser par là. Parce que je crois que quand on est plus de 7 ou 8, c'est vraiment la galère. Mais bon, écoutez, hein, tant qu'on est en Mais t'es snapshot. pas net, non? Merci, Merci, t'es pas Switchy. net. Merci à toi, Switchy. Merci beaucoup. Je reviens de l'école car je suis québécois et je me demande ce que j'ai manqué. Bon, pas grand-chose pour l'instant. Tu n'as pas manqué grand-chose. 168 subs. Merci beaucoup. Je crois que c'est un record pour moi sur Twitch. Merci beaucoup. Après, je suis un peu plus régulier qu'avant aussi. Ça peut jouer, mais. Mais bref, ça fait trop plaisir. Merci. Entrée secrète pour Epona comme sur Asif Adventure. Ouais. Ouais, faut voir, faut voir. Déjà, on va essayer d'en avoir une. Ce serait pas mal. Hop là. Alors. Et puis je vous dis, on pourrait essayer aussi de faire un petit peu les achievements. Parce que mine de rien, il les faut. Waza, c'était trop drôle sur son live tout à l'heure. Putain, si vous avez pas vu, on est parti en octogone et tout. Je suis pas mort, j'ai réussi à pas crever. Je sais pas comment j'ai fait. Parce qu'à un moment, je me battais avec Arcas. Arcas m'a mis bien cher. Il avait du Thorn. Ce qui fait que je suis tombé à deux coeurs à un moment. J'ai réussi à m'enfuir. Il m'a mis très très mal. Bon, écoutez, on va se balader un petit peu. On va espérer trouver des chevaux, hein. Ce serait bien. Ah ouais, mais là du coup il y a plus de chevaux. Est-ce que les chevaux du spawn ont été butés, vous pensez? Est-ce que les chevaux peuvent spawn comme ça? Là je vois même plus d'animaux par ici. On va partir dans l'autre sens, en espérant qu'on trouve ça va bien. Ah! Hop. Divertis-moi, merci. Il y a un slow mode de 2 minutes. Il y a un slow mode. C'est les modos qui ont dû mettre le slow mode. Je pense que c'est les modos qui ont dû mettre un slow mode. Sylvano, bon en PVP? Non. Jamais de la vie. Jamais de la vie, surtout pas avec le PVP 1.9. Clairement pas. Oui, armes sur le serveur, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, des chevaux, j'aimerais bien. Ok, là déjà il y a des animaux, c'est encourageant. Ça veut dire que ça n'a pas été. N'a pas été. En plus, nous on est chiant parce que nous on veut un type de cheval bien précis. On est relou. On est ultra relou, il nous faut un type bien précis de cheval pour avoir Epona. Autant dire que ce n'est pas gagné. On va jamais trouver de chevaux en fait. J'espère que vous êtes prêts à faire de la route. Hein. J'espère que vous êtes prêts à ce qu'on se balade. Parce que disons-le, on va se balader un moment, je le sens. Mais ce serait bien de la voir. Sardine a été invitée. Non. Il y a des gens, il y a des Anglais maintenant sur mes lives. Waouh. Je suis flatté. Je suis extrêmement flatté. Un loup! Un loup! Est-ce qu'on adopte le loup? J'ai pas d'os, malheureusement. Oh, tristesse. Tu aurais pu être notre fluffette. Tu vois? Ouais, on en trouvera d'autres. Malheureusement, c'est un échec. Ah, je vais. Regardez, on arrive aux Olympics. On va aller voir un petit peu. Pour ceux qui n'ont pas. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vais vous montrer un petit peu les Olympics. Je parlais à Nems juste avant de lancer mon live, là, justement. Mais ça avance ultra bien, ils font un truc de malade. Je vais vous montrer, je vais vous montrer. En parlant de armes, il fait quoi sur le serve? Quelle construction? Je crois qu'il fait une grotte, mais j'étais pas encore allé voir. Je crois qu'il a fait son portail récemment. Faudrait que j'aille voir ce qu'il fait. On pourrait aller voir, ouais. Il a un portail normalement qui mène. Hop. Mouton! Hop. Alors. En vrai, c'est bien de se balader aussi parce que de toute façon, il me faut les. Mais t'as tué. C'est Epona? Quasi. Attends, est-ce qu'elle a la petite raie blanche? Non! Ça aurait pu être tellement beau d'avoir Epona pile poil là! Alors, attendez. Ah, en vrai, putain, en vrai, elle est bien. En vrai, elle est pas mal du tout quand même. Hein. Ah, putain, je sais pas. Alors, attendez, on va montrer ça déjà. Voilà, voilà le délire des Olympics. Autant dire que ça a plutôt bien avancé. Autant dire que c'est quand même plutôt sympa. Hein, disons-le. Moi, ces trucs en verre comme ça, ces ponts en verre, ça me rappelle mon tout premier serveur Minecraft où on jouait avec Léo dessus. Et c'était fou. C'était fou parce qu'on faisait des chemins en verre comme ça. Prends-la quand même. Déjà, je sais même pas si je vais pouvoir la prendre. On va essayer, mais j'ai peur qu'elle meure. Elle bouge pas. Y a pas la raie blanche. Ouais, mais bon.
Elle est buggée ou comment ça se passe? Oh! Survie! Mais elle s'en fout totale de moi en fait, je crois qu'elle lag. Pour moi, c'est obligé qu'elle lag, non, là, parce que là, sinon. Tu l'as, c'est pas Epona. Non. Elle y ressemble quand même beaucoup. Par contre. Les entités. Chelou, attendez. Je vais voir, je vais demander. Hop, je vais regarder parce que c'est un peu bizarre. Je pensais que le cheval est déjà adopté. Ah bon? En quoi on voit qu'il est déjà adopté? Vous pensez... Oh putain, vous pensez qu'il est à NEMS? Ce qui expliquerait pourquoi. Mais non, il n'y a pas de sel. Pourquoi est-ce qu'il serait adopté alors que. Ceci dit, pourquoi il y aura un cheval et pas d'autres chevaux d'abord? Putain, vous avez raison, il est peut-être à quelqu'un. Ouvre l'inventaire. Non, mais j'essaye d'ouvrir l'inventaire depuis tout à l'heure. Je peux pas ouvrir l'inventaire. Il est peut-être déjà. J'essaye d'ouvrir l'inventaire depuis tout à l'heure, ça veut pas ouvrir l'inventaire du cheval. Mais par contre, vous me dites qu'il avait vu qu'il a les cœurs et est déjà adopté. Ah merde. Bon bah alors du coup on le laisse là. Très bien, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. J'y ai cru! Pendant un très faible moment, je me suis dit oui! C'est pas grave, on va en trouver un autre. On va en trouver un autre. On va continuer à se balader. Ouais, je sais pas à qui il était, mais. Je peux pas mettre la selle, ça. Ah attends. Tu penses que si je lui. Si on part du principe qu'il est adopté, si je lui mets. Non, je peux pas lui mettre la selle, les amis. Il n'ouvre pas son. Il ouvre pas son inventaire. Donc non, non, non. Non, 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 non. Oh putain, par contre là, on va se balader. Il me faudrait. Parce que fais voir les autres animaux. Ouais, non, les autres animaux, tu vois, ils bougent, hein. Donc il n'y a pas vraiment de problème. Bah non, pas possible. Ah, attendez. Allez, 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 on y croit. Là, on arrive vers le Mesa, mais. J'ai bon espoir. Bon, tu nous montres quand? Quand est-ce qu'il y a derrière le rideau? Mais je l'ai déjà dit un milliard de fois. Fallait écouter. J'ai déjà dit que ce serait quand je déménage. Jusqu'à preuve du contraire, je suis toujours au même endroit. Bon, alors. Vous verrez quand j'aurai déménagé. Une vache, des moutons. Des moutons. Ouais, bon, on continue, on continue, on continue, on continue. Celui-là, jusqu'à quelle heure? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout pour l'instant. Non, il n'est pas adopté, vous me dites. C'est peut-être juste qu'il est bug. On va voir. Normalement, il devrait pas y avoir de problème. Attendez. Parce qu'apparemment, on me dit que normalement, il devrait pas y avoir de problème avec le cheval, si jamais il n'est pas adopté. Donc, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Attendez, je regarde quand même s'il n'y en a pas d'autres dans le coin. On aurait notre réponse au moins. Ah, attendez, Jérôme arrive. En gros, il veut. Attendez, on retourne voir le cheval. On retourne voir le cheval vite fait. Comme ça, je lui montre et il peut me dire. Parce que ça se trouve, avec un debug ou quoi, il va me le. Il va me le gérer. Parce que je l'aime bien en vrai ce cheval. Hein. Alors, le cheval, il était juste là, on est d'accord. On va voir parce que il y a les deux avis là qui se confrontent alors. C'est étonnant. Hop. C'était juste. Après, ouais, la théorie du cheval adopté aurait du sens quand même dans la mesure où il est pas. Il est tout seul. Il y a 2 minutes, j'y vais, j'y vais. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. C'était où? Putain, c'était où? Je trouve plus le cheval. Le cheval, il est où? Il était par là-bas. Ah, chat qui a offert un sub à NVPU. Ah, il est là-bas. Merci à toi. Hop là. Voilà. Merde, putain, l'eau.
La tête d'Aurélien. Attendez, on va voir ce qu'il va nous dire. Nous allons avoir la. Nous allons avoir la réponse. Attendez. Amor et Poulna. C'est pour Poulna. Au pire, tu fais spawn un cheval en créatif. Bah ouais, mais non, en fait. J'aime offrir des subs. C'est gentil. C'est très gentil. Alors. Ton verdict. Attendez, je vais lui parler plutôt par Wisp. Hop. Qu'est-ce qu'il en dit? Prank Nems. Non, pas les pranks là. Attendez, déjà, il faut un truc de fou. Ah! On le laisse gérer. On va le laisser gérer, je ne sais pas du tout. Il va ouvrir le rideau, on va avoir la porte d'entrée, tout le monde va être déçu. Ah, mais j'espère bien que vous allez être déçu, Scorpion. J'ai toujours dit qu'il y avait rien de fou derrière le rideau, c'est vous qui en avez fait un mystère. Mais il n'y a rien de fou derrière le rideau. Alors du coup, après, on s'en est moqué, tu vois, on en a joué justement. On a fait exprès de vous troller là-dessus. Mais j'ai toujours dit qu'il y avait rien de fou derrière le rideau. Adopte un loup et appelle le Link. Ouais. Ou Tex, comme à l'époque. Je sais pas. Ton jeu est en français. Oui, c'est pour les achievements, je l'ai déjà dit. C'est pour les achievements. Je sais pas ce qu'il est en train de taper. Wow. Qu'est-ce qu'il fait? Que fait Aurélien? Je sais pas. Mais t'es pas net, Je non? suis perdu. Mais si, je suis très net. Chat qui a offert un sub à Siphano Fanboy. Quoi? Pourquoi vous vous appelez comme ça? C'est gentil, chat, mais après, vraiment, en vrai, les subs offerts, c'est cool, mais n'en abuse pas, parce qu'après, du coup, d'un mois à l'autre, nous, ça nous fait une baisse astronomique. À la limite, si vraiment tu veux dépenser ton argent, fais plutôt des dons, je dirais, tu vois, mais. Mais voilà. Alors, attendez. C'est quel snapshot précisément? Derrière le rideau, il y a un autre rideau, c'est ça. Exactement ça. Il tape une commande pour mettre une selle. Vous pensez? Vous pensez qu'il fait ça? Ça veut dire que le cheval est un peu ailleurs? Je sais pas. On va voir. Il me l'a dit ou pas? Non, il me l'a pas dit encore. Oui, enfin la notif. Waouh! T'es pas net, non? Waouh, Mais waouh, waouh, si, je suis très net. Merci Inraf, merci beaucoup. On est à. Waouh, on est à combien? 171 subs. Dans 4 subs, il y a le sub gift qui pop. On va voir. 170, je sais plus. On va voir, attendez, c'est pas actualisé encore. Ah, il a l'air de marcher. Il marche. Quoique. Bon. Il a l'air complètement buggy. Ah! Ok. Bon. Bon bah écoutez, au pire tue-le. Non. Mais non, on va pas le tuer. Pire, t'adoptes une poule, ce sera une époulna. Une époulna. C'est ça. Mange-le en lasagne. C'est pas plus simple de faire spawn un autre cheval? Bah je sais pas. Je sais pas du tout. En vrai, non, en vrai non, parce que là on a trouvé pile poil le cheval qu'il nous faut. Non, parce que si c'est un cheval qui. Non, non, non. Si c'est un cheval qui est sauvage, en l'occurrence ça a l'air d'être le cas, c'est juste qu'il a l'air buggé. C'est pas la même chose que d'en faire spawn 1, parce que là la difficulté c'est d'en trouver un marron.
On vient de le trouver. Et encore, il n'a pas la raie blanche, mais c'est pas très grave. Donc, parce que. Alors, j'ai vu des gens qui disaient non, il n'a pas la raie blanche. C'est pas très grave dans le sens où, déjà, selon les séries, que ce soit Celestia ou la Sif Adventure, le Epona était pas. Enfin, la Epona était pas exactement la même à chaque fois. C'est pas très grave. Mais par contre. Non, il a pas l'air. C'est pour ça que j'aimerais prendre celui-là. Mais il n'a pas l'air. Appelle le Epona. Évidemment. Car l'emoji, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà, il a dit. Ah. Ah. Il a réparé. Faire. Est-ce qu'on va y arriver? Je vais dire merci. Attendez le cheval. Aime-moi. Putain, mais. La galère. Yes! Ok, alors attendez, parce que non, faut pas le faire crever. On l'a eu! Merci, Jawa. Merci. Il m'a l'air assez rapide, hein, non? J'ai l'impression. Voilà. Ouais, il a l'air assez rapide. Est-ce qu'il saute haut? Ouais, il m'a l'air bien, il m'a l'air bien, il m'a l'air bien. Alors attendez. Ouais! Let's go! Je m'appelle Aurélien. Trop bien. Trop bien. Bon, du coup, on va rentrer. On va pas passer par le Nether. Parce que de toute façon, notre maison est pas très très loin. Ah, il saute. Oh, non. Je sais pas, je me rends pas compte. Ouais. Je sais pas. Bon, cool. Cool. On a notre cheval. Du coup, on va aller. Oh, quelle horreur. My God. Quelle horreur! Rentrons directement à la base. On va passer par là. Tout ça pour que tu puisses le monter trop nul, c'est ça. C'est pas Epona. Mais si! Oh putain, commencez pas à me faire un. Passe à autre chose, les gars! Vraiment, quoi! Me faites pas un psychodrame parce qu'elle a pas la raie blanche, hein. Le dernier qu'on avait, la dernière Epona qu'on avait eue, elle était pas, elle était marron. La première Epona était marron clair. La dernière qu'on avait eue, elle était marron foncé comme ça. Donc c'est pas grave. Hein. Vous avez pas pleuré pour ça. Il y a pire. Enfin. Wow! Attention. Tu vas prendre toute l'île. Ok, très bien. Du coup, alors attendez, il faut qu'on retrouve la baraque. On retrouve la baraque. Je sais même pas. C'est par là, hein. Là, on arrive vers l'océan. Logiquement. Ouais, donc c'est un peu plus à droite. Ça va qu'on n'est pas loin et qu'on peut y aller à pied en vrai, hein. C'est plus simple. Et maintenant, Waza arrive et tue Epona. T'imagines? T'imagines? Alors là, Waza, il est ban. Il est totalement ban. Hop là. Attendez, parce que là, du coup, les chunks ont du mal. On va passer par là. Comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Magic F qui a resub pour le deuxième mois. Merci à toi. Merci beaucoup, cher ami. Merci de ta fidélité. Et du coup, non, c'était bien 171. Hein. Trop bien. Non! Oh mon dieu, j'ai cru que j'étais. Donc, normalement, on arrive. Hein. On est par là. Ouais, c'est là-bas. C'est bien 171 subs. Bah, merci à tous. Se rapproche dangereusement des 200. Tu as vu les renards? Non, parce que le problème c'est qu'il faut aller dans un biome qui n'a pas encore été généré, donc c'est un peu la galère pour l'instant. Pour l'instant, c'est un petit peu la galère. Mais on va s'en occuper, vous inquiétez pas. Quand on pourra, on ira. Alors attendez. Non. Ok, vas-y, passe là. Laissez-moi avancer.
Oh putain, non, je peux pas avancer. Pensez qu'on va y arriver ou pas? C'est bon. Phew! Bon, parfait. Alors, va falloir maintenant qu'on fasse les écuries. Va falloir qu'on fasse les écuries. Donc déjà, elle, on va l'enfermer quelque part. Tiens, ici, en attendant. J'ai besoin de bois, j'en ai déjà. C'est parfait. Une table de craft qui est là. Hop. Non, à chaque fois je fais l'erreur. Voilà. Et reste ici, ma petite, pour l'instant. Voilà. On est d'accord qu'elle ne peut pas sauter d'elle-même, hein? Il me semble. Il me semble qu'elle ne peut pas sauter d'elle-même. Bon, du coup, maintenant que ça s'est fait, il va falloir qu'on s'occupe donc des écuries. Qu'on va faire certainement ici, qu'on va peut-être un peu creuser dans la montagne aussi, mais. Alors, il faut que je trouve un pattern d'écurie qui ressemble. Alors après, pour sortir les chevaux d'ici, c'est pas le plus pratique en vrai. Mais bon, c'est pas grave. Alors, déjà, il me reste quoi en. Bon, il me reste ça, évidemment, il m'en reste. Voilà. Il me reste de la terre cuite rouge. Ok. En quoi va-t-on faire les écuries, les amis? De quelle couleur? Je pense qu'on pourrait faire au moins deux écuries. Ça me paraît bien. Quelle couleur on pourrait faire? Je pense que du jaune, ça pourrait être pas mal en vrai. Le reste risque de faire un peu. Epona peut s'échapper, attention. Non, elle est là. Elle peut sauter, vous me dites. Bon, allez, si vous voulez. Normalement, non, mais bon. On va réutiliser. C'est où que je l'ai mis? On va réutiliser ça, histoire de. Écurie terracotta blanche. Ouais. Merde, c'est pas du tout la même couleur. Voilà, elle est là. Elle ne peut pas sauter d'elle-même. Bah oui, elle peut pas sauter d'elle-même. Bah, je sais bien, mais les gens savent toujours pas. Ça va faire des années qu'on a des chevaux, mais j'ai l'impression. Hop. Attendez, il faut qu'on. On va prendre un petit peu plus de. Merde, j'ai tout transformé mes planches, tu vas me dire. Là, j'ai des bûches. Je vais faire un test. Faire un test hein, pour l'instant. Donc. En vrai, c'est le problème que j'ai avec cette. Bon, on rentrera un petit peu dans le mur, c'est pas grave. Ok. Merde, pas fait assez. Bon, c'est pas. Mais t'es pas net, J'ai non? fait trop haut, mais c'est pas Mais si, je suis très net. grave. Hop. Hein? Non, 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 il n'y a pas d'Enderman qui spawn naturellement. Ok, on va prendre ça. Sif, tu es aveugle, MDR, tu n'as pas vu le point love qui lui permettait de monter. Vous racontez. Qu'est-ce que vous racontez? Bon, du coup, alors attendez. Déjà, on va ouvrir ça. Hop, parce qu'on a clairement pas besoin d'autant. On peut repousser la montagne de 1, voire même on pourrait la tomber de 2. Mais je pense que de 1, ça suffit en vrai. Je pense que de 1, ça suffit. On va la mettre là, comme ça. Voilà. On va mettre ça là. Comme ça. Là, on va mettre ça là comme ça. Ok, jusque-là. Voilà. Bon, on peut faire l'arrière maintenant, mais bon. Est-ce utile faire l'arrière maintenant? Je ne sais pas. On va le faire quand même, histoire de. Hop. Ça va lui faire un bon box, hein, mine de rien. En vrai. Ça va lui faire un bon box.
Là, voilà. Comme ça laissera la place à un autre cheval. On T'es se pas laissera bête, le non? soin un jour d'avoir. Monsieur, je suis très Merci à Ragnarek qui a sub, merci beaucoup. Et Wuxiety, merci à vous les gars. Ou les filles, je ne sais pas. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Le sol. Je vais avoir besoin de birch. Est-ce qu'il me reste de la birch? Il me reste de la birch. Oui, il me reste de la birch, très bien. En vrai, on va faire un truc assez simple, mais. Et dedans, on mettra du. Comment on appelle? On va mettre des hay balls. Voilà, Mais t'es déco pas bête, l'intérieur. non? Ouais, avec du foin, justement, Monsieur, ouais. je suis très bête. Merci, Kirito. Merci beaucoup. Hop. Alors, on va faire ça comme Mais t'es ça. pas net, Mais qu'est-ce qui non? se passe? Monsieur, je suis très bête. Merci, Florian. Merci beaucoup à toi. On va mettre ça comme ça. Bah, en vrai, ah, mais en vrai, je suis pas. Enfin, je suis en train de me dire en réalité du plancher. Est-ce que du plancher est une bonne idée? Parce que en vrai, en fait, c'est pour. En fait, si je mets du plancher, c'est pour coller un petit peu à ça. Mais donc, merci Florian, merci beaucoup. C'est pour coller un petit peu à ça. Mais en réalité, ça va rendre bizarre en vrai si on met du plancher finalement. Je pense. Mais du foin. Ouais, mais le foin. Non, mais vous êtes mignon avec votre foin. Mais le foin, elle va pas nous faire tout le truc. Déjà, j'ai pas assez de foin. Pas assez de graines pour l'instant. Le foin, ce serait sur un côté, tu vois. C'est tout en fait. Pour moi, le foin serait sur un côté. Bon, sinon, on va remettre de la terre. Écoutez, mais. Ce serait. Ouais, bon, écoutez, on va remettre de la terre. On va remettre de la terre pour l'instant. Tu n'utilises pas assez les nouvelles fonctionnalités du jeu, je trouve. Tu te trouves? Au contraire! J'arrête pas de foutre des bambous partout, d'utiliser tout le temps le stone cutter, d'utiliser les nouveaux fours, d'utiliser. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de mieux? De la course dirt. Comment on fait la course dirt? Course dirt. Avec du gravier. C'est une bonne idée de mettre de la course dirt, ouais. Je suis d'accord, il me faut du gravier. Andésite, andésite. Putain, c'est fou. Gravier, dites-moi que j'ai du gravier quelque part qui traîne. Non, c'est de l'andésite, fais chier. Truc insupportable, tu sais. Mec, il ne trouve pas de gravier. Bon, on va aller chercher du gravier. On va aller chercher du gravier, c'est parti. Tchadou, doudou, 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 doudou. Que penses-tu de Tetris 99? Bah, j'ai beaucoup rigolé, mais je n'en ferai pas. Enfin, voilà quoi. Moi, perso, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai beaucoup rigolé. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens par contre qui soient hypés. Je peux totalement le comprendre. Alors, essayons de trouver du gravel. Ça se trouve j'en avais. Mais on va en trouver très facilement. Voilà. Oh ouais! Du gravier. Ok. Voilà. Ok, terre stérile. Bizarre de dire ça comme ça. Ah oui, exact, on est au 175, oui. Exact, exact, exact. Je vais m'en occuper, je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. On va faire le tirage au sort. Pour l'instant, ne spammez pas, ça sert à rien. Ne vous inquiétez pas. Mets une barrière au milieu de l'écurie pour que ça respire. Ouais, pas bête. Pour qu'ils se voient entre eux, tu veux dire? Ouais. L'appel de la satisfaction, exactement. Je vous ai dit de spa de pas spammer le mot sub maintenant, ça sert à rien, on n'a pas démarré. Tous les messages que vous mettez maintenant ne sont pas comptabilisés. Mais c'est dingue, mais vous êtes les pires, pourquoi vous spammez? Je vous ai dit de ne pas le faire. Putain, mais je crois pas. J'en peux plus de vous. Vous êtes vraiment les pires, hein. Putain. Faudrait que je fasse le tirage au sort là pile maintenant. Vous avez tous ceux qui ont spam avant, c'est pas comptabilisé. Genre, bam! Hop, terre stérile. Voilà, on va mettre un petit point d'eau et tout. Mais on le fera certainement après. Pour l'instant, on va mettre des barrières. Alors, il me faut des barrières. Est-ce qu'il m'en reste?
c'est pas assez, je pense. Parce qu'il m'en reste d'autres. Voilà, là il m'en reste très bien. Terre stérile. Voilà. De toute façon, on va le rehausser de 1 de haut encore le truc. Donc voilà. Faudra qu'on mette de quoi faire un truc sympa, mais on va le faire après, vous inquiétez pas. On va mettre un petit point d'eau qui sera, je pense, ici. Voilà. Pour lui, ce sera ici. Ou alors on lui met dans un chaudron. On va plutôt lui mettre dans un chaudron, hein, ça fera mieux. Pour moi. Pour moi, je pense que ça fera mieux dans un chaudron. Comment on fait un chaudron déjà? Comme ça? Voilà. Le foin, pour l'instant, j'en ai pas. Va falloir que j'aille en prendre. Voilà. Il y a un problème de... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah oui, non, c'est juste... Ok. Plutôt le mettre là, du coup. Voilà. Bon, ce sera symétrique, mais c'est pas très grave. On va prendre ça. Le foin, on va le mettre à la fin, vous inquiétez pas. Voilà. Pour ça, à peu près. On va faire de 1 de plus de haut. On va fermer pour l'instant. Est-ce que ici, ce sera recouvert? Je pense que oui, de toute façon. Je pense qu'on va faire recouvrir un petit peu le truc. Déjà, on va faire un début de toit en fait. Hop. De toute façon, ici, il faut que ce soit ouvert d'un de plus, hein, sinon je vais me cogner la tête en arrivant. Donc, que ce soit ouvert comme ça, et au pire, on fera un truc du genre comme ça. Voilà. Pour l'instant, on va mettre le truc, mais c'est histoire de dire. Ouais. C'est vraiment histoire de dire alors, parce que pour l'instant. Hop, ça s'intègre dans la montagne. Ah oui, putain, le truc des subs. Allez, on est parti, on va faire Nightbot. Nightbot. Déjà, on va faire un truc qui est... Hop. Donc le prochain objectif sera au 200. Voilà. Giveaway. Avec un mot, donc je vous invite à spammer le mot sub. Spammez-le, 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 spammez-le. Et il s'agit de Synobscure qui gagne le sub du palier. Bravo à toi. Synobscure, je vais vous le faire apparaître comme d'habitude. Hop là. Bravo à toi, Synobscure. GG, il y aura un prochain, une prochaine occasion, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je vais donc récupérer le pseudo. Et hop là. Et Twitch, offrir un abonnement. Hop là. Synobscure, il est là. On lui offre l'abonnement. Terminer l'achat. Et il arrive. Il est parmi nous. Merci à vous, en T'es tout pas cas. bête, non? Mais si, je suis très bête. Voilà. Hop. Je vais ranger ça. Je remets ça là comme ça. J'enlève du coup le... Ça, voilà. Et on est good. GG à tous en tout cas. Mais t'es pas net, non? Hop. Mais si, je suis C'est très normalement bien. enregistré. Attendez, j'attends juste que ça dégage. Voilà. Donc prochain palier, on sera au 200. Et ça va plus s'actualiser, j'ai l'impression. Oh, on a eu plein de choses. Donc on a Rajnox qui a sub avec Twitch Prime, merci beaucoup. Et Woxiety, tu te souviens de la question pour quand le Fire Emblem... Tu fais Fire Emblem, c'était pour un troll, j'avoue. Ouais, c'est pas prévu que je fasse Fire Emblem. Merci beaucoup en tout cas. Attends, on va se mettre là. Hop. Voilà, c'est histoire de... On va mettre ça comme ça. Comme... Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, c'est le redémarrage, il est 22 h. On va attendre que ça redémarre. Kirou qui vient d'arriver.
Obsolète. Ok, continuons. Du coup, ça m'a pas mis ça. Là, là, comme ça. Là, comme ça. On va faire ça comme ça pour l'instant. Putain, j'ai l'écran qui va s'éteindre. M'arrive toutes les merdes. Toutes les merdes sont là. Chier. Et ici, je sais pas comment on va faire ici. Est-ce qu'on fait ça comme ça? Fais voir en descendant comment ça rend. Oui, très bien, très bien, très bien, très bien. Ça me semble plutôt bien cette histoire. Alors attendez. Les grands Gizédins. Hop. Va y arriver. Ok. Donc voilà. Pour l'arrière, on va de toute façon mettre de la terre. Parce qu'il faut. En gros, l'idée, c'est que ce soit un peu intégré dans le truc, tu vois. Non, là, ça rend bizarre comme ça, je trouve. Attends. Comment est-ce que je peux faire pour là? Ah, malheureusement, je pourrais pas là. À moins de éventuellement. Si je peux. Voilà, comme ça. Ça marche. On va vite fait aller prendre. Attendez. Qu'est-ce que je voulais prendre? Je sais plus. Déjà ça, mais ça j'en avais. Mais je voulais prendre surtout autre chose. Des lanternes. Des lanternes et lanternes. Ok. Et de la terre aussi, faudra que je mette, mais bon. Hop. Alors les lanternes. Les classico lanternes. Il faut vraiment ouais, que je me fasse une bannière, je sais. Ça pourrait rendre bien avec une bannière. Ah, moins ce délire là. Mais bon. Ah, mais là, du coup, là, je peux pas vraiment faire ça là. Ah, merde, j'aurais voulu faire ça. Ça ne va pas le faire. Pas grave. Hop. Voilà. Les petites écuries comme ça. On va faire évidemment l'ouverture. Pourquoi tu fais ça à l'entrée? Parce que justement, il doit y avoir une planque. Alors, on fera ça une fois qu'on aura les sticky pistons. Hein. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Mais une fois qu'on aura les sticky pistons. Donc que les mobs seront là et qu'on pourra avoir du slime. Vous inquiétez pas, c'est dans l'autre sens du coup. Vous inquiétez pas. On le fera. Ok. Ok, j'en ai trois, il m'en faut encore une. Une machine à poulet. Il faudrait. Ok. Donc logiquement là, même si je me prends à la limite la tête dans le truc, c'est pas très grave. Ici, alors ici on a deux choix, les amis. Donnez-moi votre avis. Soit. Bon, déjà là, c'est pas ouf que ce soit accroché, mais bon, ça se met au décor. Soit je laisse comme ça. Soit je casse ça. Et je fais ça. Qu'est-ce qui est le mieux? Faites-moi voir. Peut-être plus harmonieux comme ça. Hein. C'est plus harmonieux comme ça, ouais. C'est clairement plus harmonieux comme ça. Il faut encore que je fasse le toit. Alors, pour le toit, on va faire un truc du genre. Je vais avoir besoin de ça, de toute façon, c'est pas fini. Hop. On va foutre tout ça là. Voilà. On fout tout ça là comme ça. Et on va faire hop, hop. Hop. En vrai, vous voyez, c'est une histoire. C'est une histoire de pattern. Au bout d'un moment, je l'ai le pattern, donc ça va. C'est mieux comme ça. Mets du compost pour le mangeoir. Pas con. Pas con, pas con, pas con. On va voir. On va voir. Attendez. Est-ce qu'on continue de le faire aller encore un peu? Je pense que oui. Hein. On va continuer de le faire aller encore un peu. Je le fais aller jusque là pour l'instant. Ah, c'est gênant ou pas ça? C'est pas gênant en vrai. Pas gênant du tout. Là, pour la fin de la montagne, je sais pas trop comment faire. Attendez, je vais aller prendre de la vraie terre. Je dois en avoir quand même. Non, c'est du granit ça. Je veux de la terre. Pas de la stone aussi. J'ai pas de la stone. Là, j'ai masse de terre au moins.
Au moins. Bon, on est bien. Attendez. Donc le son du jeu un peu. Ah, après ça va être vachement fort. Hop. En gros, je veux que ça s'intègre un petit peu dans la montagne. C'est pas encore bon. Est-ce que comme ça on est bon? Je suis pas convaincu parce qu'en vrai ça descend, tu vois. Il faudrait que ce soit encore plus haut. En gros, ce que je veux, c'est vraiment une montagne qui monte bien, quoi. Tu vois? Attends. On va y arriver. Super pour l'appareil photo. Génial. Hein, t'es vraiment un sale petit con, hein. Voilà. Ça va être galère à faire, hein, je sens. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Ça va être un peu galère à faire. T'as grave pour ça en bulle. Vous trouvez vraiment? Je trouve pas là. Tu vois, là je me sens. Me sens en galère. C'est peut-être juste le thème chinois hein, qui me va bien, j'en sais rien. Merci Ruiz qui a sub. Et Ragnirek qui dit t'as de la chance ce soir, premier don de la soirée, il commence par un petit have a nice day. vous savez quoi? On va finir déjà ici et peut-être qu'après j'y verrai un peu plus clair. Alors, attends, du coup, il faut que je le. Ok. On continue. Du coup, hein. Du coup, on le continue. Voilà. Et ouais, on peut faire ça comme ça, je pense, pour casser un petit peu. Et du coup, non. Oh si. Si si. Voilà, donc le toit est plus ou moins. Le toit est plus ou moins fait. Ouais, le toit est fait. Maintenant, il faut qu'on arrive à intégrer ça dans la montagne de manière à peu près correcte, tu vois. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'on sera bon.